mai-juin 2021, nous semblons vivre une véritable révolution concernant les révélations ou des révélations éventuelles concernant d'éventuelles vies extraterrestres. Alors là, nous sommes quand même dans quelque chose de sérieux, dans le sens où cette information a été dévoilée au journal de 20h sur la deuxième chaîne, quand même. Ce ne sont pas des bruits de couloir, ce ne sont pas des émissions parallèles, alternatives dont il s'agit. Il s'agit véritablement de révélations officielles qui ont été à l'origine provoquée par la déclassification de documents tenus secrets par les États-Unis. Il semblerait donc que certaines choses soient cachées. Cela est quelque chose qui paraît relativement logique de notre côté. Plus ou moins tout le monde s'en doute. Donc si on se doute que quelque chose est caché, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Et dans le cadre de vie extraterrestre, s'il n'y avait rien, s'il n'y avait pas de vie, ben, il n'y aurait rien à cacher. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose. Maintenant, je vais dépasser le problème de savoir s'il existe quelque chose, s'il n'existe pas quelque chose. Et je vais revenir au postulat que j'avais développé dans certaines vidéos précédentes, qui consistait à dire que l'univers étant infini, le nombre de possibilités est donc lui aussi infini, et donc le nombre de réalités est lui aussi infini. Ce qui veut dire que tout ce qui est potentiellement envisageable est en réalité dans l'infini des possibilités parmi l'infini des réalités. Cela veut donc dire que les différents stades d'évolution ont déjà existé, ont déjà été dépassés, existent déjà, sont déjà là, et que nous, du petit stade d'évolution où nous nous trouvons, eh bien, nous en sommes à un stade où nous ne savons pas encore. Nous sommes ni plus ni moins comme les hommes de Néandertal ou bien les Homo sapiens d'il y a ne serait-ce que 50 000 ans qui ne savaient rien par rapport à ce que nous savons. Quand on voit ce que nous avons appris en même pas 50 000 ans mais 10 000 ans, imaginons ce que nous saurions si nous étions âgés de 10 000 ans de plus ou 100 000 ans ou 1 million d'années de plus ou 1 milliard d'années de plus. Eh bien, nous sommes ces personnes-là potentiellement dans le sens où ces personnes-là existent forcément vu l'immensité de l'univers. Et comme je le postule, les possibilités étant infinies, les réalités sont tout autant infinies et donc toutes réalités. Alors bien sûr, cela dépasse nos conceptions. Dire, comme je le répète, que l'univers étant infini, les possibilités sont infinies et donc les réalités sont infinies, correspond, je le sais, à quelque chose qui est difficilement concevable du stade d'évolution où nous nous trouvons ici. Et pourtant, c'est quelque chose qui est forcément une réalité tout autant que l'infini est une réalité que nous n'arrivons pas à envisager. L'infini dans le temps, mais encore plus l'infini dans l'espace, que nous ne pouvons qu'accepter, mais que nous ne pouvons pas réellement comprendre, concevoir, ou même envisager. Nous devons l'accepter. Eh bien, cela relève de la même chose, d'un même niveau d'incompréhension. Donc, cela veut dire que toutes les possibilités existent, sont réelles, et qu'il y a donc tout autour de nous des vies qui existent, qui nous dépassent de très loin en évolution et qui ont donc tous les stades d'évolution possibles, imaginables et inimaginables, c'est-à-dire et non imaginables. Alors il y avait pour cela certains films du type Star Wars qui paraissent être de la science-fiction. Ce qu'il est intéressant de voir dans ces films,
c'est qu'ils postulent qu'il existe, alors eux ils disent des races. Moi je m'entretiendrais simplement déjà à notre noyau humain en disant qu'il existe différents stades d'évolution d'humains, vieux de 10 000 ans, ça c'est nous, 100 000 ans, ben, ils sont un petit peu plus loin, ils sont ailleurs, ils viennent parfois nous voir certainement, ils viennent voir où nous en sommes. C'est certainement eux qui venaient nous voir sous la forme de Dieu, qui venaient voir les Égyptiens, qui sont venus voir les Mayas, qui ont transmis des connaissances. Mais ils sont encore dans la matière, qu'ils ont certainement dominé, domestiqué, et donc par là même le temps et l'espace. Mais ils sont certainement au stade de la domestication quasiment absolue de la matière, mais ils sont encore dans la matière. Mais ces êtres-là, qui ont donc certainement, on va dire, 100 000 ans, sont eux-mêmes des êtres qui ont devant eux d'autres humains qui les ont précédés, on va dire, 10 millions ou 100 millions d'années avant eux, ou 1 milliard d'années avant, l'univers ayant approximativement 13,86 milliards d'années. On voit bien que les possibilités sont infinies. Donc, dans notre simple sphère humaine, nous voyons que nous avons potentiellement et donc réellement, quasiment forcément, les différents stades d'évolution de la matière, de la vie matérielle et au-delà, c'est-à-dire de la vie hors de la matière, c'est-à-dire immatérielle, c'est-à-dire de la vie matérielle qui a dépassé la matière et qui vit sans la matière. Alors, du point de vue où nous nous trouvons, bien entendu, nous ne pouvons pas concevoir la vie sans la matière. Et pourtant, il y a un très vieux film qui s'appelait Cocoon, qui présentait très bien le sujet. Il était envisagé dans ce film que l'on peut ressentir, que l'on peut vivre des choses sans la matière, qui correspondent à ce que nous vivons avec la matière, mais qui dépasseraient de loin ce que nous vivons avec la matière. Et il était là question, bien entendu, de sexualité. Car de notre point de vue à nous, ce que notre corps peut nous amener ne peut se vivre de manière aussi intense sans le corps, mais nous ne le savons pas. Ou ceux qui le savent, forcément, ne vont pas forcément en parler. Ils peuvent s'appeler des mystiques, par exemple. Il y a une foule de possibilités pour que certaines personnes aient découvert des choses qui sont possibles sans la matière, qui existent avec la matière, mais qui sont limitées par la matière. Et il est donc possible que ces choses limitées par la matière existent sans la matière de manière bien plus intense que ce que la matière permet de vivre. Et cela même est ce que nous avons tant de difficultés à envisager, car bien entendu, comme tout être vivant, nous n'envisageons les choses et le monde qu'à travers le prisme des perceptions permises par notre niveau d'évolution et par notre matérialité. Ce qui est hors de notre matérialité et ce qui est hors de notre champ de compréhension, forcément par définition, n'est pas conçu par notre esprit. Cela nous laisse donc très facilement comprendre à quel point nous sommes limités dans notre compréhension des choses. Donc reprenons. Nous sommes âgés globalement de 10 000 ans. Nous sommes comme un enfant qui a 10 ans face à un adulte qui en a 50. C'est-à-dire que nous sommes âgés de 10 000 ans et nous sommes face à d'autres formes de vie humaine, terrestre, qui ont 50 000 ou 500 000 ans, car en réalité, comme je le disais, cela n'a pas d'importance. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas même concevoir, imaginer une multitude de choses qu'il saura lorsqu'il sera adulte. Eh bien, nous sommes dans cette situation. Nous sommes dans cette situation, mais tout comme l'enfant, bien, nous ne le comprenons pas, nous ne le savons pas, nous ne le voyons pas, nous ne l'envisageons même pas. Et c'est ça qui est absolument affolant. Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. Nous sommes, nous, avec nos 10 000 ans, par rapport aux personnes qui ont 100 000 ans,
500 000 ans ou 1 million d'années la même chose que l'enfant de 5 ans par rapport à l'adulte de 50 ans, de 70 ans, de 80 ans. Ce n'est pas plus compliqué à comprendre. Je parle ici de l'évolution humaine, bien entendu. Cela ne veut pas dire que si on élargit encore les choses, il n'existe pas des formes de vie d'origine extraterrestre. Cela est également possible, bien sûr. Et puisque c'est possible, et bien cela est forcément également une réalité. Si nous arrivons à comprendre à quel point notre compréhension de ce qui nous entoure, de ce que nous sommes, est dérisoire du fait de notre jeunesse, si nous comprenons que si nous sommes jeunes, eh bien il y a forcément des personnes qui sont ce que nous sommes, mais qui sont bien plus âgées que nous, tout comme l'enfant de 5 ans a devant lui des personnes qui sont bien plus âgées, mais qu'il ne voit peut-être même pas. Il les voit, oui, mais il ne comprend pas, il ne conçoit pas. Il n'en comprend pas l'existence. Il ne comprend pas la problématique de l'adulte de 50 ans, de 60 ans, de la personne qui a 80 ans. Il ne comprend pas la problématique. Il le voit avec les yeux, il ne voit pas avec l'esprit. Eh bien, c'est exactement ce que nous sommes. Par rapport à ce que nous sommes, nous, avec 100 000 ans, 500 000 ans ou 1 million d'années supplémentaires d'évolution, de compréhension du monde, de philosophie, de connaissances scientifiques. Bien entendu, à cela, on peut rajouter la problématique de l'intelligence qui est issue d'autres mondes, qui vient donc se rajouter à nos intelligences, à nous, dans les différents stades d'évolution qui sont les nôtres. On peut donc se dire que si toutes les civilisations passent par les mêmes stades d'hégémonie, de guerre, de troubles, etc., eh bien forcément il arrive un stade de maturité où la guerre est dépassée, la maladie est dépassée, les problèmes de vie matérielle sont également dépassés et où un stade de paix et d'harmonie est atteint. Cela paraît tout à fait logique. Et il est donc tout à fait logique que des êtres venus de la Terre, qui vivaient ici il y a de nombreux millénaires, de la même manière que des êtres qui viennent d'autres horizons, auront systématiquement dépassé ces différents stades avant d'atteindre ces stades de calme, de maturité et de sérénité, tout comme nous le connaissons nous en tant qu'humains à notre simple échelle humaine. Le jeune belliqueux finira finalement par s'assagir, par se calmer et par devenir sage. Il en est de même dans les différents stades d'évolution que nous traversons. Nous sommes donc à un stade relativement primaire, basique. Nous en sommes au tout début, 10 000 ans. Ce n'est vraiment rien du tout. Et le problème que nous avons au stade où nous nous trouvons, c'est que nous avons tout simplement du mal à ouvrir les yeux, à voir ce qu'il y a autour de nous, à nous projeter, à voir ce qu'il y a devant nous. À voir ce qu'il y a devant nous, c'est-à-dire à voir ce qui existe réellement devant nous. Non pas ce qui existe potentiellement devant nous, car justement, comme je le disais au tout début, ce qu'il y a devant nous, ce sont les possibilités et donc les réalités. Cette vidéo, encore une fois, est une vidéo qui n'est pas faite pour tout le monde. Cette vidéo est faite en réalité pour les personnes qui ont un stade d'évolution qui leur permet d'envisager tout ce dont je parle ici. Alors il n'y a pas de supériorité à avoir, il n'y a pas de prétention à avoir. Car en réalité, ce qui compte, c'est la simplicité avec laquelle nous voyons les choses. Les choses sont simples. Il n'y a pas à se croire supérieur à d'autres. Celui qui a compris certaines choses n'est pas supérieur. Il est simplement un petit peu plus avancé sur un chemin. Et à partir du moment où nous sommes sur le chemin, à un moment donné, nous arrivons tous au même point.
Donc nous sommes tous égaux. Et nous sommes tous aussi dérisoires les uns que les autres, tout en étant tout aussi importants les uns que les autres. Les deux extrêmes se rejoignent.